Oui, en effet. Un groupe de parole est un espace d'échange qui s'adresse à toute personne souhaitant exprimer et partager ses ressentis, mais aussi écouter et s'informer sur leur maladie. Dans le cadre de la filière FavaMulti, ils sont réalisés avec une des psychologues de la filière et avec les bénévoles des différentes associations des malades, des maladies rares partenaires. Nous comptons un groupe de parole par maladie et par mois. Cet espace d'échange contribue à ne pas rester isolé face à sa maladie et à pouvoir s'autoriser à partager ses ressentis avec d'autres personnes atteintes. Une des fonctions essentielles est de pouvoir comprendre et de donner du sens à sa souffrance psychique qui accompagne souvent la maladie. En effet, que les patients sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes également touchées par la même maladie qu'eux peut permettre d'apaiser certaines angoisses. La fonction principale d'un groupe de parole est de pouvoir s'écouter, partager et donner du sens à sa souffrance psychique qui accompagne la maladie. Nous avons pu constater que ces expériences de partage ont des effets thérapeutiques sur la durée grâce au retour des patients.